Et donc salut à toutes et à tous, c'est Skylands et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Trial Evolution. Donc il y a un petit truc qui change, si vous voyez un truc en haut à droite avec le nom de FPS normal. J'essaye un nouveau logiciel de capture que Shooter, un ami m'avait proposé. Donc Mirilix Action, donc on m'avait dit qu'il était mieux. Déjà je vais voir où est-ce qu'on en était dans le dernier épisode. Donc alors je vais sur YouTube. Ma chaîne. D'habitude, je le fais avant de tourner, mais là, j'ai oublié. Où est-ce. Et donc, c'est tout ça, Merde, tout c'est ta ce gueule, que toi. Ok, je vois. Hop. Donc, alors, on en était. Non, on n'était pas encore là. Oh merde, attendez 2 secondes. Au pire. Putain, téléphone. Ah, excusez-moi. Imprévu. Attendez, ouais, bon, on va faire comme si. Merde, attendez. Je pense que celle-là on l'avait fait. Ah bah, tiens. Où est-ce qu'on en était? Bah, attendez, faut que je revoie la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve. Ok, donc on était là. On était là, d'accord. Et hop. Bon, enfin, on a trouvé où est-ce qu'on en était. Je vais mettre le chronomètre. Hop. Donc, je disais, j'étais sur. Maintenant, j'ai testé Mirilis. Donc, si je vois que bah, c'est mieux que Fraps, bah, je vais garder Mirilis, pardon. Donc, voilà. Donc après je vous ferai quand on aura fini le jeu ensemble. Enfin moi j'ai déjà fini mais bon. Pour ceux qui voulaient acheter Trial et qui voulaient se faire une idée, ben voilà, hein, je vous fais tout le jeu. Puis peut-être que ça vous fera une bonne idée du jeu. Et puis même si vous voulez acheter le jeu, peut-être que vous regarderez pas tout. Bon, moi perso c'est un jeu que je vous conseille énormément. Et vous pouvez avoir quelques heures de jeu dessus. Hein. Franchement, moi, je suis à 100. Je vais vous dire combien d'heures de 113 heures. Donc, c'est vraiment un truc de malade comment ce jeu est bien. Et hop. Donc, apparemment, ouais, ça lag pas trop. Mais tant mieux, hein. Ride pressure. Ça, c'est une course que j'aime pas trop. Toutes les courses où il y a de l'eau, de toute façon, j'aime pas trop parce que bon, vous tombez, vous pouvez rien faire d'autre. Enfin, en même temps, vous allez me dire, ouais, c'est comme les courses où en fait, t'as des obstacles et puis après, t'as de la TNT ou quoi. Ça, c'est plus dans les extrêmes et dans les durs qu'on retrouve ça. Puis, plus demain, il y a des conteneurs, tu sais pas trop comment. S'il faut aller trop vite ou quoi, en fait. Bah, apparemment je suis en train de battre mon record comme quoi que j'ai fait encore de merde là-dessus. Bah, je vais me concentrer, j'essaie de battre mon record. Et voilà. J'ai mis 7 secondes sur mon ancien record. Putain. J'ai vraiment fait un record de merde. Hein. Putain.
Ouais, Titan Graveyard, c'est parti. Ça, c'est une map qui est super réussite. Vous allez voir pourquoi, en fait, il y a des putains de sensations. Donc, c'est parti. Donc, la cour des Titans, je crois, au cimetière de Titans. Et après, ceux qui jouent à Tria et qui ont peut-être acheté le jeu récemment, certains vont me dire comment t'as fait pour avoir la tenue en or comme ça pour les pilotes. Bah, en fait, c'est tout simple. Il fallait juste précommander le jeu, et puis vu que Trial c'est un jeu que j'attendais bah, depuis sa sortie sur Xbox, forcément dès qu'il est sorti, bah, je l'ai préacheté quoi. C'est un jeu que j'avais surkiffé, je faisais que voir des. Enfin, je regardais que des vidéos et tout. Bon, malheureusement pour les joueurs PS3, ce jeu ne sort pas sur PS3. Peut-être qu'il sortira plus tard, je ne sais pas. Voilà. Je sais pas si vous avez vu la main là au fond, enfin en fond, ouais. Mais il y a quelques éléments, non pas vraiment interactifs, non, mais ah merde. Attendez. Autant assurer, hein. Tac. Au pire, je suis pas là pour faire un speedrun, donc tant pis. Hop. Les speedruns, moi je les fais hors vidéo. Et puis, ben. Au pire, peut-être qu'un jour je vous ferai voir tous mes replays, mais bon. Ça va faire que je l'améliore. Oh, excusez-moi. Je suis fatigué. Alors, training. Ouais. Donc alors, celle-là, je me rappelle plus trop de quelle course c'est. On va voir tout de suite. Ah oui, je me rappelle. Ça, c'est une course qui est pas vraiment compliquée. Faut juste la connaître par cœur et puis savoir où ralentir et tout. Bon, d'accord. Oh putain. Ça, pour faire un speedrun, faut passer directement dessus, mais bon, faut avoir de la vitesse, et ce que j'avais pas en fait. Tac. Et ouais, donc apparemment ça lague moins. Donc avec ça, je serai apte à vous faire des vidéos commentées. Ce qui est une bonne nouvelle. Putain, mais. Hey. Ils font tout pour me faire chier en fait, là, je crois. Je vais laisser sonner. Excusez-moi si ça vous dérange, mais bon. Bon. Et hop. Putain d'enculé. Bon, où est-ce qu'on en est? Ah, vous savez quoi? Je vais faire durer la vidéo un peu plus longtemps. Elle va durer, ouais, comme la dernière, 8 minutes, un truc dans le genre. Bon, pas grave, hein. C'est mieux pour vous comme ça. Oh merde. Et tac. Apparemment, je suis en train de répéter mon record, comme quoi que j'ai vraiment des records de merde en fait. Je suis contenté juste. D'accord. Bah là, je peux plus le péter. Avoir les médailles d'or. Pour. Parce qu'en fait. Quand. Quand dans mon jeu, ils disent que tous les chapitres seront à 100%, en fait, je sais pas si c'est. Enfin. On peut pas dire que c'est vrai parce que je sais pas les médailles de platine en fait. Médaille de platine, en fait, il faut pas tomber et puis faut faire un temps qui est bon quoi. Mais sur les premières pistes, faut faire un temps de malade comme si vous faisiez un record quoi. Un record mondial. Oh merde. Bon, j'ai fait de la merde, mais c'est pas grave. Lookout point. Alors, ça, c'est une course qui est vraiment belle. Moi j'aime bien.
Donc là, ce qu'il veut faire normalement, c'est ralentir à la fin pour pas monter trop. Et là, il faut ralentir à la fin bah, pour passer en dessous. Et ça, je me rappelle que hier, je l'avais saigné pour essayer de faire un bon record. Et bah, en utilisant les techniques que je vous ai dit au début. Mais bon. Au début, j'ai bloqué un peu. Genre, je suis monté trop et tout. C'était un peu l'apocalypse. Et hop. Ah oui, alors ce course-là. Ce course-là, c'est vraiment une putain de course parce que, en fait, vous commencez dans les grottes. Et vous finissez, bah, je sais pas. C'est un endroit qui est assez bizarre, vous verrez par vous-même. Hop, truc qui facilite la tâche. Oh merde. Bon, j'ai perdu genre 20 secondes là-dessus, je pense. Ouais, 3 secondes, c'est vraiment énorme. Tac. Allez, c'est vraiment une belle course, quoi. Je sais pas trop ce que c'est comme environnement. D'accord. Mais en tout cas, ils ont géré les développeurs. Et donc là, le but, c'est d'accélérer le plus possible pour passer au-dessus directement et pas se planter comme j'ai fait. Merde. Pour le swag. Voilà. Pour en bonus, je vais faire une vidéo. Une vidéo. Une piste. Merde. Oh mais putain, je suis fatigué. Une piste extrême. Donc celle-là. Elle est pas très très compliquée, mais bon, il faut la gérer quoi. Attendez, je me suis trompé là, je crois. Ouais, je crois que je me suis trompé de piste. Putain, mais je suis vraiment de la merde là aujourd'hui. Je sais pas ce que je fais. Et c'est parti. Alors, premier obstacle, monter au-dessus de ça. Pas très compliqué. Tac. Là, il faut percuter avec la roue avant. Là, faut freiner pour bien monter là. Tac. Non, tombe pas. Bon, tant pis. Eh, fait chier, j'étais en mode zéro faute là. Donc là, faut accélérer comme ça et percuter. Là, ça a l'air. Enfin, c'est dur au début. En fait, faut monter la roue avant, percuter avec la roue arrière et puis passer au-dessus directement. Mais c'est un obstacle qui est. Voilà, assez difficile. Hop, voilà. Bah sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, si vous avez des critiques, comme d'habitude, mettez des commentaires. Ça va m'aider dans mes prochaines vidéos. Attendez, je regarde un truc, ouais. Donc voilà, si vous avez des critiques ou quoi, mettez dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir à recevoir. Donc voilà, ciao tout le monde, bye bye.